Le grand dialogue. Sigi Kafoba. Edouani Ouamakaran. Le grand dialogue de l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio. Chenne Berry. Halud Mouni. Chenne Berry. Sigi Kafoba. Le grand dialogue. Mesdames et messieurs, bonsoir. Ce soir, nous allons parler d'insécurité dans le centre du pays. Le ministère de la Sécurité prévoit de mettre en place un plan de sécurisation intégré des régions du centre. Il s'agit notamment des régions de Mopti et de Ségou, dont les populations sont victimes d'une insécurité classique et d'attaques terroristes. Ce plan devrait permettre le retour de l'administration et des services sociaux de base dans toutes les zones abandonnées. Nos invités sont Ismaël D, conseiller technique au ministère de la Sécurité, Boubacar Bou comme analyste, Madame Diara Tata Touré de la société civile de Mopti et Abba Kassambara, coordinateur de Think Peace à Mopti. Ils sont les deux sont au téléphone. Je suis Mohamedou Touré à la technique. Salim Diara. Le grand dialogue. Alors, je le disais, ce soir, nous allons parler d'insécurité dans le centre. Le ministère de la Sécurité propose déjà un plan et M. D va nous parler de ce plan. Est-ce que vous pouvez nous parler en détail de ce plan de sécurisation intégrée dans les régions du centre? Merci, M. Touré. Tout d'abord, je salue nos auditrices et nos auditeurs. Je suis le colonel Ismaël D, conseiller technique au ministère de la Sécurité et de la Protection civile. Donc, le plan de sécurisation intégré a été initié suite à la dégradation de la situation sécuritaire au niveau des régions de Mopti et de Ségou. Le plan s'articule autour de quatre axes. L'axe sécurité, il s'agit en ce moment d'apporter tout le soutien nécessaire aux forces de défense et de sécurité au niveau local. Il y a l'axe socio-développement socio-économique qui consiste à apporter des actions de développement, c'est-à-dire les services sociaux de base comme la santé, l'eau, l'assainissement, les écoles et les administrations. Maintenant, il y a l'axe communication, là aussi il s'agit de rapprocher les forces de sécurité des populations. On sait qu'il y a eu beaucoup d'événements, il y a eu des problèmes de confiance entre les populations et les agents de l'État. Donc il s'agit de créer une symbiose de la communication entre les citoyens du pays. Et l'autre axe, ça c'est la gouvernance. Donc là aussi il s'agit de rapprocher l'administration de la population à travers la restauration de l'autorité de l'État avec le retour des agents de l'État, c'est-à-dire les juges, les maires, les préfets et les sous-préfets. Voilà les quatre composantes du plan de sécurisation. Alors, ce plan est basé sur quatre composantes, la gouvernance, la sécurité, la communication et le développement économique et social. Monsieur Boubacar Boukoum, que pensez-vous de ce plan de sécurisation du gouvernement? Je pense que dans le concept, aujourd'hui, le gouvernement est en train de prendre des dispositions adaptées. Depuis un certain temps, nous voyons que l'État fait des efforts pour essayer de quadriller le pays. Même Bamako, vous constaterez que le quadrillage, le maillage est très bien articulé et bien structuré. Et dans le concept, nous ne voyons aucun problème. Il y a des choses qui sont en train d'être faites. Mais on dit toujours qu'il y a mieux à faire parce que le système d'insécurité au Mali aujourd'hui est très complexe. Parce que la complexité, ce n'est pas seulement en termes de maillage des hommes. Il s'agit aujourd'hui, je pense, d'aller à une forme d'éducation citoyenne, parce qu'il faut que les citoyens lambda comprennent que la sécurité du pays, c'est lui-même d'abord. Et avant qu'on arrive aux forces de sécurité, les gens ont souvent tendance à penser que c'est le militaire qui est sécuritaire, et tout le monde dit, oui, bon, bon, il faut que les gens quittent ce concept, qu'ils comprennent que nous sommes les premiers soldats, nous sommes les premiers militaires, avant qu'on arrive aux gens qui ont décidé de nous accompagner, de nous renforcer dans cette aptitude. Donc il est bien que chacun d'entre nous comprenne que la sécurité du Mali passe par nous d'abord. D'où je mets l'accent sur le réseau de l'information.
Parce que j'ai l'impression aujourd'hui que nos forces de sécurité manquent d'informations. Comme il a dit tantôt, le fait qu'il y a un manque de confiance entre la population et bon, je pense aussi, là aussi c'est juste une mauvaise approche, parce que souvent nos concitoyens ont du mal à comprendre le rôle réel de l'État. On pense que l'État est là juste pour se faire plaisir, alors que l'État est là pour eux. Donc, dans ce principe de la communication, il est important que les concitoyens comprennent quel est le rôle réel de l'État et quel est leur rôle vis-à-vis de l'État. Donner la bonne information et pouvoir... Parce que quand vous regardez le phénomène d'insécurité, ce n'est plus le truc classique où il y a une armée qui est confrontée à une armée. Les éléments, ils se font surprendre. Ils se font surprendre comment? Parce que c'est dilué dans la communauté civile. Et la plupart du temps, quand ils sont dans ces localités, ils prennent le temps pour pouvoir repérer, faire un travail préliminaire. Donc, ça veut dire que quelque part, si cette population, elle est bien organisée, bien structurée, elle est capable de sentir qu'il y a quelque chose qui se passe et de donner la bonne information aux autorités pour qu'ils puissent réagir de façon prompte. Madame Diarra Tata Touré, bonsoir. Bonsoir. Alors, qu'est-ce que vous pensez de ce plan de sécurisation intégrée? Est-ce qu'il répond à vos attentes? Bon, le plan tel que vraiment est élaboré, qui nous a été transmis le mois passé en assemblée au niveau du gouvernorat. Pourtant, nous trouvons que c'est un très bon plan parce qu'il prend en compte tous les aspects qui nous intéressent vraiment. Gouvernance, sécurité, socio-économique, communication, tout. Ça, c'est vraiment un très bon plan que nous avons apprécié à sa juste valeur. Mais, à notre avis, nous avons pensé que ce serait vraiment la mise en œuvre était automatique. Parce qu'ils nous avaient même dit qu'il y a les fonds qui ont commencé à tomber. Mais nous constatons malheureusement qu'il y a vraiment un léger retard, je ne sais pas, c'est dû au préparatif ou bien quoi. Sinon, le plan, nous adhérons vraiment à ce plan. Après, on compte vraiment nos aspirations au niveau de la région. On en a besoin. Okay. Voilà. Monsieur Abba Kassambara, vous êtes également à Mopti, coordinateur régional de Think Peace. Quelle lecture faites-vous de ce plan? Déjà, notre mentor, Mme Diarra Tata Touré, a tout dit par rapport à notre impression par rapport à ce plan, que nous accueillons à bras ouverts. Vous savez, nous sommes déjà dans ce plan, avec le ministère de la Sécurité, mon colonel peut le témoigner, et l'aménagement. Nous avons déjà commencé une campagne nationale de valorisation et d'inclusivité des acteurs locaux pour la cohésion sociale et la lutte contre la violence extrême. Dans 10 localités de Mali à travers les 9 régions, sauf Kidal. Pour Mopti, nous sommes à Bankas, où nous avons déjà commencé le volet communication. Avec les forces de défense et de sécurité, nous avons fait des ateliers et des débats publics entre la population et les forces de défense et de sécurité, qui a amené aujourd'hui une franche collaboration entre ces forces de défense et de sécurité. Je pense que le plan tel que mentionné, si la mise en œuvre a suivi très rapidement, comme Madame l'a dit, ça peut résoudre pas mal de problèmes. Je parle surtout par rapport au second point, du développement socio-économique. Vous n'êtes pas sans savoir aujourd'hui qu'on a interdit à la population de Tenenku de cultiver. Donc si on arrive à faire... Qui a interdit à la population de cultiver? Oui. Qui a interdit à la population de Tenenku de cultiver? Les groupes armés qui sont installés là-bas. Ils les ont carrément demandé de ne pas cultiver cette année. Et vous pouvez vérifier au niveau de ces places. Donc, sur les plans de développement social et économique qui ont été annoncés, et nous avons vraiment appris avec bonheur qu'il y a eu 9 milliards qui ont été débloqués par le ministère pour que les gens puissent créer des agères. Mais malheureusement, comme l'a constaté notre présidente de la société civile de Mopti, ça tarde à venir, alors que le besoin immédiat est là et que nous constatons au niveau de la jeunesse de ces zones occupées que pas mal de bergers, auparavant c'était seulement des zones autres choses, maintenant même les bergers sont en train de converger vers ces mouvements armés. Donc il est urgent, les 4 points sont vraiment bien ficelés, l'axe sécurité, l'axe développement social et économique, l'axe communication surtout, gouvernance. Par rapport à la communication, nous souhaiterons que nous communiquons dans le même sens que ces groupes, nous armés. Ils utilisent la religion. Nous avons des religieux qui ont des mouvements qui peuvent communiquer, dire le contraire de ce qu'ils sont en train de dire. Il faut les utiliser, qu'on ne les oublie pas.
Vraiment, j'apprécie à sa juste valeur les quatre points. Le colonel D et également Boubacar Boukoum ont parlé de la confiance entre population et forces de sécurité. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut s'attendre à un changement par rapport à cela? Parce que c'est également essentiel. Cette confiance, elle peut venir. Mais tant qu'il n'y a pas eu le contact entre cette population et les forces de défense et de sécurité, cette confiance ne peut pas naître. Nous intervenons dans le cercle de Bankas et nous avons fait des débats publics entre les forces de défense et de sécurité. Chacun a dit ce qu'il repense de l'autre. Et enfin, on a fini par une entente et que les gens ont compris. Et puis, la population ne comprenne pas. Et quand il y a les militaires sont sur place, au lieu de donner l'information à la gendarmerie et à la garde nationale qui sont là-bas pour la sécurité, ils partent directement donner aux militaires qui sont postés alors que ce n'est pas à eux d'analyser les informations. Donc, en réalité, il y a une méconnaissance forte même du rôle et des forces de défense et de sécurité par la population. Même s'ils ont l'information, ils ne savent pas à qui donner, ils ne donnent pas l'information à temps et au moment voulu et à la personne bien indiquée. Donc il va falloir que les gens s'accentuent vraiment sur le plan communication. Et c'est cette communication qui peut ramener la confiance dont mes deux prédécesseurs ont parlé. Merci M. Kassambara. Alors M. Ismaël D, Mme Diarra Tata Touré viennent parler de retard dans la mise en œuvre de ce plan. Alors est-ce que vous pouvez nous parler du processus de mise en œuvre également de ce plan? Merci. Donc, la mise en place n'est pas facile parce qu'il y a beaucoup de zones qui se sentent abandonnées actuellement par l'administration. Donc, on doit aller progressivement et nous avons ciblé 4 à 5 localités par région. Et le gouverneur des deux régions ont déjà fait des tournées. On peut savoir les localités des différentes régions? Donc, à Ségou, nous avons précisément Monimpe-Boukou et Saï et Sokolo, donc où on veut ramener les sous-préfets. Et ce retour va s'accompagner par certaines réalisations. Déjà, vous avez trouvé que les bureaux sont saccagés, abandonnés, il faut les refaire. Et la couverture en matière de télévision, en matière de téléphone, donc ça doit être refait. Ensuite, les centres de santé sont abandonnés par endroit. Donc il y a tout ceci qui sont en train d'être analysés et très prochainement, donc dans la semaine à venir, les forces de sécurité donc, doivent accompagner les administrateurs dans ces localités. Au niveau des Mopti, nous avons Kouakourou dans le secteur de Djéné, nous avons Dinangourou dans le secteur Koro, et nous avons Sénégué vers la région de Mopti. Voilà. Donc, sans tarder, ces zones-là vont sentir le retour de l'administration. La semaine prochaine. Oui. Il y a tout de suite M. Kassambara qui a parlé de Ténénkoun, qui paraît que des groupes armés ont interdit à la population de cultiver. Qu'en est-il? Bon. Ça, c'est des informations difficiles à vérifier, mais ce qui est clair, avec la présence des bandits armés, les activités sont ralenties, que ce soit la pêche, l'élevage, l'agriculture, donc même les corvées de bois et d'eau donc, sont déjà hypothéquées. Maintenant, les deux zones, Ténénkoun et Yuwaru, les retours de l'administration va suivre et nous avons même prévu de mettre des brigades fluviales pour mieux contrôler le fleuve dans cette zone-là. Donc ils ne sont pas oubliés, mais leur sécurisation est plus compliquée que d'autres zones parce qu'il faut tenir compte du fleuve. Voilà. Monsieur Boubacar Boukoum, que pensez-vous de tout cela, des groupes armés qui interdisent même aux populations de cultiver et également ce manque de confiance entre forces de sécurité et la population? Non, je pense que aujourd'hui, quand on nous dit que les djihadistes empêchent les gens de cultiver à Ténénkoun,
comme l'a dit le colonel, c'est des informations vraiment très difficiles à vérifier. C'est compliqué parce que déjà, quand vous regardez la configuration du djihadisme, c'est des attaques sporadiques, c'est des harcèlements, c'est très compliqué. Donc les gens ne sont pas rassurés. Et surtout que l'impact recherché par ces djihadistes, c'est avoir un impact psychologique. En réalité, aujourd'hui, avec tout ce qu'on est en train de voir comme moyen déployé, en réalité, l'étau est en train de se resserrer. Donc, les ripostes aujourd'hui, ça s'explique par le fait que déjà, le fait que l'étau se resserre autour d'eux. Donc, il y a toujours des actions spectaculaires qu'ils essaient de mettre en place pour essayer d'impressionner, de faire peur. Donc, je pense que les gens aussi ne doivent pas céder totalement à la panique. C'est de pouvoir essayer de s'organiser, de donner la bonne information aux différentes autorités et rentrer dans la dynamique de la production. C'est-à-dire que ce n'est pas la peur tout azimut qui va résoudre l'équation. Il faut à un moment donné aussi que les gens acceptent quand même de prendre un minimum de risques et d'essayer de mettre du contenu dans ce qu'ils ont comme activité et de s'organiser. Parce que là aussi, il ne faut pas que les gens cèdent à la panique totale, ce n'est pas effectif. L'insécurité en tant que telle, souvent c'est plus dans la tête que réel. Donc souvent, c'est vrai, on n'occupe pas l'aspect. C'est réel dans le centre du pays. Non, il faut que tu comprennes un peu la dialectique, je ne dis pas que ce n'est pas réel. J'ai compris. Voilà, donc c'est de dire simplement qu'il ne faut pas céder à la panique, il faut aussi faire face à une certaine réalité. Je veux juste dire que la sécurité, ce n'est pas que le rôle des forces de sécurité. Il y a un minimum de courage que l'on doit avoir et faire face à la réalité de la vie. Il y a des contraintes, il y a un risque à prendre, et il y a une organisation préalable qu'il faut mettre en place. Aujourd'hui, moi j'ai été surpris par cette information. Si elle s'était avérée vraie, ça veut dire que l'information aurait dû prendre une autre ampleur pour que les autorités prennent conscience réellement de la délicatesse des problèmes et de prendre des mesures. Alors, en conséquence. Monsieur Kassambra, est-ce que vous avez informé les autorités de cette information? J'ai été informé de cela par notre point focal qui est à Ténékou. Il s'agit de Barasso, qui est connu par tout le monde, qui est en contact direct avec nous ici. Et nous avons les informations. Vous savez que nous avons un réseau très influent et que nous avons mis sur place un réseau qui... nous avons 2197 points focaux. C'est-à-dire que dans chaque village, nous avons un répondant dans la région de Mopti. Et c'est des informations qui sont très faciles à vérifier. Il suffit seulement de contacter n'importe qui aujourd'hui à Ténékou pour vous donner la véracité de ces informations. Nous sommes dans cette lutte-là pour l'amour de notre patrie. Nous avons été bien pétris par nos dirigeants, Mme Diana et tout. Nous n'allons pas donner des informations gratuites pour ce qui concerne la sécurité de notre région et notre propre sécurité pour le développement du Mali. Vous savez que... Est-ce que vous avez fait remonter ces informations aux autorités pour qu'elles puissent prendre des mesures? Nous avons informé de façon officieuse quand même certaines, mais nous n'avons pas approché directement le gouverneur ou bien les préfets pour les informer de cela. Mais quand même, notre point focal, je pense qu'il est rentré en direct avec les autorités qui sont au courant, parce qu'ils sont aujourd'hui à Mopti, et il y a certains qui sont à Ténékou, et ils ont l'information que ça a été interdit. Et même si ils n'avaient pas interdit, le terrain même n'est pas fiable, parce que les mines et autres qui ont été mises un peu partout, c'est une zone à risque. Mais je suis d'accord avec Bokoum quand il dit que la sécurité n'est pas seulement une affaire de forces de sécurité. La sécurité est tout d'abord une affaire de la population, parce que c'est elle qui peut remonter les informations, c'est elle qui peut dénoncer les infiltrations, c'est elle qui peut également donner les bonnes pistes et les bonnes informations au bon moment à ces forces de sécurité pour qu'elles puissent agir. Donc nous avons un rôle très grand à jouer et que nous sommes en train d'assumer. Sous le rôle et le contrôle de notre présidente de la société civile. Alors, Monsieur Kassambra, Monsieur Bokoum veut réagir, mais juste après Madame Diara Tata Touré, est-ce que Monsieur Ismaël Dé vient de le dire tout de suite, le processus de mise en œuvre va commencer la semaine prochaine. Est-ce que cela vous rassure? Par rapport à la mise en œuvre. Oui. Vous parlez de la semaine prochaine? Oui, Monsieur Ismaël Dé vient de dire que la mise en œuvre de ce plan va commencer la semaine prochaine déjà. Est-ce que cela vous rassure, parce que vous semblez préoccupé par la mise en œuvre de ce plan? Nous sommes très préoccupés parce que vu l'insécurité infernale que nous vivons ici dans la région de Mopti, vraiment c'est pour l'accueillir avec joie.
Vraiment, vous voyez notre insécurité, je l'ai toujours dit. Parlez-nous de cette situation sécuritaire à Mopti. Insécurité infernale, je le dirais. Parce que nous sommes avec des groupes, vous le connaissez tous, des groupes armés, des bandits armés, qui n'ont signé aucun accord, qui ne reconnaissent même pas les pactes, qui ne reconnaissent rien. Mais les pactes, ça va, ils le reconnaissent notre État malien. Donc, ils sont carrément différents des groupes armés qui avaient signé l'accord. Donc, ces groupes-là ont une autre mentalité, une autre philosophie à part. C'est ça qui fait la difficulté. Et tous les jours, on voit des nouveaux groupes armés. On voit des nouveaux groupes terroristes qui se créent ici dans notre région. C'est pour ça que j'ai dit que c'est une situation particulière et infernale qui est carrément différente de la situation que vit la région de Gao, Tombouctou et Kida. Ok. Chez nous, en Mopti, c'est particulier parce qu'à Gao, Tombouctou, dans les autres régions, on sait. Ces groupes-là, on les connaît. Mais ici, qui les connaît? Personne. C'est des groupes informels qui naissent tous les jours. Ils prennent des armes. Les populations ne peuvent pas aller dans les foires. Les populations ne peuvent pas s'épanouir, ni l'école, ni la santé, rien, tout est au ralenti, tout est fermé même, je dirais. C'est pourquoi je dis que c'est une situation infernale que nous vivons et qui est vraiment vraiment différente de la situation de la sécurité des autres zones, je dirais. Monsieur Bokoum veut réagir. Donc maintenant, si le livre est d'ici la semaine prochaine, les mesures seront prises vraiment pour mettre vraiment les personnes en sécurité et leurs biens. Nous ne serons qu'à accueillir cette bonne nouvelle. Merci, madame Diarra. Je soulignerai aussi une partie de la collaboration entre les forces de sécurité et la population. Vraiment. Ça, c'est quelque chose qu'il faut... Et on va mettre un accent particulier pour ce genre de collaboration. Merci. Donc, partout où nous sommes, nous exigeons, nous demandons aux membres vraiment d'avoir une collaboration. Merci, madame Diarra. Nous allons parler de ce volet de communication tout de suite. Monsieur Bokoum. Je voudrais juste rassurer M. Kassambara qu'il ne faut pas qu'il prenne mal mon intervention. Loin de moi cette idée de mettre en doute l'information qu'il vient de donner. Ce n'est pas ça l'objet. C'est de dire juste que nous apprécions à juste titre tout ce travail qu'ils sont en train d'abattre sur le terrain. C'est des relais très importants. Et nous estimons que juste il y a un petit déficit communicationnel, la façon de faire remonter l'information. Donc, de façon plus efficiente, s'ils sont bien structurés déjà avec tous les points FONCO, c'est d'avoir un mécanisme de collaboration avec les forces de sécurité pour que l'information soit plus fluide. En fait, c'est de ça qu'il s'agit. Sinon, je ne remets nullement en doute l'effort qu'ils sont en train de faire et tout ce qu'ils sont en train... Aujourd'hui, nous avons l'information, je dis que j'ai été surpris, mais aujourd'hui, le colonel est en face de moi. Il a cette information, c'est une information qui n'est pas tombée dans l'oreille d'un sourd. Ils vont analyser, ils vont essayer de traquer l'information et de savoir la véracité de tout ça. Et voilà. Mon problème, ce n'est pas de dire qu'on ne leur fait pas confiance. Juste, c'est des mécanismes qui sont là, qui ne sont pas totalement efficaces, qu'il faut rendre plus fluides. C'est juste la petite précision. Colonel D, est-ce que des mesures seront prises par rapport à cette situation? C'est clair. Donc, quand il y a une information, donc, on va l'analyser. Et en ce moment, les autorités locales pourront décider de ce qu'il y a à faire. Et c'est très clair. On ne peut pas négliger une information, et surtout quand ça concerne les activités de développement. Déjà, même si les djihadistes ne l'interdisent pas, la peur même va empêcher les populations de vaquer à leurs occupations, et qui va créer la famine et beaucoup d'autres choses. Voilà. Vous écoutez Studio Tamani, votre avis nous intéresse. Écrivez vos commentaires et suggestions sur la page Facebook et dialoguez avec nous. Studio Tamani, c'est aussi les réseaux sociaux. Mesdames et messieurs, ce soir nous parlons d'insécurité dans le centre du pays, dans la région de Mopti et Ségou. Le ministère de la Sécurité prévoit de mettre en place un plan de sécurisation intégré des régions du centre. Et comme invité, nous en avons quatre. Ismaël D, conseiller technique au ministère de la Sécurité, Boubacar Bokoum, analyste, Madame Diarra Tata Touré de la société civile et Abba Kassambara, coordinateur régional de Think Peace à Mopti. Alors, monsieur le colonel Ismaël D, Madame Diarra Tata Touré vient de le dire tout de suite, l'insécurité est préoccupante dans la région de Mopti. Alors, ce plan prévoit la mise en place des équipes de sécurité qui veilleront au quotidien à la sécurité des personnes et de leurs biens et la libre circulation de ces personnes. Est-ce qu'il s'agit des patrouilles qui vont se faire jour et nuit?
Merci, M. Touré. Donc, je ne peux pas définir exactement comment on va s'opérer la sécurisation, mais ce qui est sûr, il faut du personnel, et le personnel, il est là, que ce soit la police, la gendarmerie, la garde, et le matériel aussi, il est disponible. Donc, il s'agit aux autorités, pour les autorités locales de définir le mode d'opération. Donc, tout ça, ça va dépendre des zones. Et la zone a été divisée en 12 pôles. Les 12 pôles, ça dit, ce ne correspond pas exactement au découpage administratif, mais c'est des zones qui ont sensiblement les mêmes problèmes économiques et les mêmes problèmes sécuritaires. Donc, c'est à partir de ça qu'ils pourront définir si c'est des postes fixes ou si c'est des patrouilles. Mais ce qui est sûr, ils seront aux côtés des sous-préfets. Est-ce qu'on a des chiffres par rapport à l'effectif de ces forces de sécurité? Non, l'effectif, c'est difficile. Ça va dépendre des zones. Donc, plus la zone est grande, plus la population est élevée, et plus l'insécurité aussi est présente. Donc, l'effectif va varier. Mais ce qui est sûr, comme je l'ai dit, que ce soit la police, la gendarmerie, la garde, et c'est ces trois forces-là qui sont susceptibles d'être déployées. Et nous en avons suffisamment. À la police, nous avons environ 2200. À la gendarmerie, nous avons 1000. À la garde, nous avons 1000. Donc, ceci, ce personnel de jeunesse qu'on va puiser, c'est vrai, ils vont être encadrés par des anciens, mais il faut compter sur la jeunesse. Mais pour le moment, rien n'est défini par rapport au dispositif, que ce soit en termes de ressources humaines, matérielles ou financières. Ce dispositif est connu des autorités régionales, les commandants des zones, les commandants de groupement de la garde, les commandants des zones de la gendarmerie savent déjà comment ils doivent faire. Monsieur Bokoum, que pensez-vous de ce processus? Non, moi je m'inscris totalement dans cette dynamique, juste que je pense qu'au niveau de la communication, parce que ce qu'il vient de dire, j'ai compris qu'en fait, tout le mécanisme se met en place de concert avec les autorités locales. Donc il va falloir qu'ils se mettent en rapport avec les autorités locales, évaluer réellement tout ce qui a lieu de faire, et on est prêt à mettre les moyens et les hommes qu'il faut pour sécuriser ces différentes zones. Mais je pense qu'au-delà du dispositif déjà qu'ils sont en train de mettre en place, je pense qu'il y a aussi le côté de l'accord de paix qui peine un peu à se mettre en place, ce qui explique un peu la globalité de l'insécurité globale, parce que vous n'êtes pas sans savoir que c'est les résidus de la crise du Nord qui redescend encore par ricochet au centre. Donc ça veut dire que nous avons encore du mal à freiner cette saignée déjà à partir du Nord, parce que tant que cela n'est pas stabilisé, nous avons toujours le risque que l'insécurité redescende encore vers le sud. Donc mon appel peut-être à l'instar des autorités, c'est de mettre encore les bouchées doubles pour aller rapidement à l'application des accords. Parce qu'aujourd'hui, je pense que la démobilisation, le cantonnement me semble être essentiel pour juguler l'insécurité. Parce qu'aujourd'hui, on ne sait pas qui détient les armes. Entre les mouvements qui sont incontrôlés, entre les djihadistes qui filtrent, et qui sont dans leur trafic d'êtres humains, et d'armes et de trafic de drogue, et la situation insurrectionnel que nous connaissons à l'intérieur. Donc, il y a toute une confusion dans le système. Donc, aujourd'hui, si nous parvenons rapidement à aller au cantonnement, au désarmement, nous sommes sûrs que les gens avec qui nous avons signé les accords sont déjà confinés quelque part. Et nous avons en ce moment la latitude, à travers peut-être les patrouilles mixtes, d'aller chercher dans les postes résiduels. Ça, c'est le banditisme. Parce qu'il y a une confusion totale dans cette histoire. Quand madame parlait tout de suite de groupements qui naissaient chaque jour, mais quand tu regardes, ils vivent de ça. En réalité, c'est devenu aujourd'hui un système dans lequel chaque personne qui est un peu oisif se décide un jour de chercher quelques armes et se dit, bon, je fais quelques opérations, ça me permet de gagner de l'argent. On attaque un marché par là, on attaque des paysans par là. Donc tout est mis dans la coupole du djihadisme et tout ça. Finalement, on ne fait pas le distinguo. Mais si on parvient aujourd'hui à stabiliser cette situation et que nos partenaires techniques et financiers puissent mettre rapidement les moyens à la disposition de l'État malien pour qu'on aille rapidement au cantonnement, au DDR, mais je pense que cette situation sécuritaire, en temps normal,
nous pouvons le juguler, parce que la sécurité à 100% n'existe nulle part. Et aujourd'hui, l'État malien, je pense qu'on a les capacités, comme le colonel vient de le dire, avec les moyens et les hommes que nous avons la capacité de faire face à cette insécurité intérieure qui est liée à d'autres facteurs. Mais une fois qu'il est cumulé avec d'autres facteurs, c'est difficile de faire la part des choses. Donc la complexité fait que, effectivement, nos partenaires, on a besoin d'eux aujourd'hui pour nous permettre de disséquer les différents problèmes, pour permettre à l'État malien aujourd'hui de faire face aux problèmes de développement qui est, de mon point de vue, crucial. Madame Diarra Tataturé, l'insécurité au niveau du centre dans la région de Mopti, c'est pas seulement les djihadistes, il y a également les conflits intercommunaux. Aujourd'hui, quelle est la situation? Madame Diarra? Oui, monsieur, vous dites? Oui, je dis, il y a également les conflits intercommunautaires, notamment entre Dogon et Peul dans le centre du Mali. Aujourd'hui, quelle est la situation de ce conflit? Nous sommes vraiment de plus en plus surpris de voir ces conflits interethniques qui ne font que se multiplient. Et Bambara, Peul, Dogon, Peul, vraiment, nous sommes dépassés. On ne sait pas ce qui se passe. C'est pour vous dire que même la cohésion sociale là, est vraiment affectée. Cette crise est en train d'affecter notre cohésion sociale. Imaginez-vous des gens qui vivaient en harmonie, en parfaite harmonie. Peul et Bambara, un Peul et Dogon. Vivaient dans la paix. Mais aujourd'hui, c'est des ethnies qui se regardent en chien de faïence, c'est triste. Et les conflits ne font que se multiplier dans notre zone, du centre. Tous les mois, nous avons des conflits. Même les conflits qui ont été réglés il y a des années, reviennent faire face encore. En tout cas, c'est inquiétant. Nous sommes vraiment inquiets devant cette situation. Monsieur Kassambra, quelles sont les raisons de ces conflits intercommunautaires? Très bien, les facteurs sont multiples par rapport à ces trucs-là, mais je vais classer les facteurs en deux. Il y a les facteurs attractifs et les facteurs impulsifs. Les facteurs impulsifs, c'est le quatrième point dont le ministère a donné, c'est-à-dire la gouvernance qui va peut-être amener la résolution de ce. Tous ces conflits, en regardant leur base, c'est la mauvaise gouvernance à travers la mauvaise distribution de la justice dans ce truc-là. Vous allez trouver que c'est des conflits liés à la plupart aux fonciers, et dont la justice a été rendue il y a 30-40 ans, et actuellement les gens profitent de l'insécurité, les gens profitent de l'instabilité pour faire réveiller ces démons-là par la bénédiction de certains agents de l'administration. Donc des grosses qui ont été rendues. Et toi, tu vois qu'on est revenu peut-être reprendre cette justice-là et redonner la raison à celui qui avait perdu il y a 40 ans qui avait été grosse. Donc tu es obligé d'utiliser maintenant la violence pour pouvoir résoudre. Et c'est tant que l'administration, les tracasseries des forces de sécurité et autres choses n'ont pas cessé sur les routes et le truc. Et moi, je pense que ces conflits vont toujours résoudre parce qu'il y a la rivalité. Et vous savez, il y a une certaine fierté de dire que j'ai enfermé l'autre. J'ai repris les champs de l'autre, j'ai repris le truc. Donc tout cela est envenimé par une mauvaise distribution de la justice. Et je pense que si le colonel me rassure en disant que le système va être mis en œuvre dans une semaine, et en commençant surtout par l'axe 1 qui est la sécurité, ça va amener les uns et les autres quand même à se rassurer. Une fois que la sécurité renaît, et cette cohésion qui est en train d'être s'effriter au grand drame de tout le monde va revenir, et que les uns et les autres vont revenir dans les meilleurs sentiments, on va dire la justice. Et puis il y a quelque chose qui est là qui est très aberrant. Nous avons l'antenne de la Commission Vérité, Justice et Réconciliation à Sévaré, qui n'est pas saisie par les vraies victimes de cette situation. Une fois que ceux-ci sont saisis et que la justice traditionnelle est mise en marche dans la région, je pense que ça peut résoudre beaucoup d'autres problèmes par rapport au conflit communautaire que nous déplorons beaucoup. Et il existe pas seulement entre les Dogons et les Peuls, il existe même entre les agriculteurs eux-mêmes, parce que nous sommes à la veille de l'hivernage, et il existe aussi entre les Peuls eux-mêmes par rapport au pâturage et autres choses. Donc, c'est ce qui donne la différence entre la crise au centre, surtout dans la région de Mopti, et ceux du Nord, parce que là-bas, la crise, elle est connue, les belligérants sont connus, alors qu'à Mopti, ici, madame l'a dit, on ne connaît pas avec qui on est en train de se combattre. Donc, c'est très important d'abord de pouvoir analyser au fond la crise au Mopti, qui a beaucoup nommé, et nous sommes beaucoup parlé de l'accord. Alors que tous ceux qui sont en train de
de s'activer à moitié ne sont pas reconnus dans l'accord et ils sont toujours peut-être venus même après la signature de l'accord. Donc ce qui rend vraiment difficile ceci, ils ne sont pas pris en compte par rapport à l'accord. Donc on ne les connaît pas pour les démobiliser, pour les désarmer. Ils ne sont pas fixés parmi ces gens-là. Il va falloir qu'on ramène vraiment la situation de Mopti sur table, qu'on analyse à fond, comme le colonel avait dit, qu'on analyse réellement la situation de Mopti et qu'on parte sur les bonnes diagnostics pour pouvoir amener des solutions à la région de Mopti. Colonel D, quelles sont les mesures prises concernant ces conflits intercommunautaires? Merci. Donc, comme il a dit, et les conflits ont des sources très lointaines. Maintenant, il s'agit, comme nous avons mis des commissions régional pour la mise en œuvre du plan. Et dans la composante communication, ils doivent faire appel à la commission justice et réconciliation pour essayer de voir comment apaiser les esprits par rapport à la gestion des terres. Et ça, c'est très important. Sur un autre volet, nous avons mis un projet avec l'Union européenne pour sensibiliser les forces de sécurité par rapport à leur comportement avec la population. Donc ça aussi c'est très important. Et parlant des partenaires techniques et financiers, nous avons le soutien de tous les partenaires, notamment l'Union européenne, l'aménagement et tous les ambassades ont contribué à l'élaboration du plan et ils sont prêts à nous accompagner parce que 6 mois, surtout pour la composante sécurité, donc d'ici la fin de l'année. Mais les autres composantes doivent continuer. Et ça, c'est tous les ministères qui sont impliqués dans l'application. Et maintenant, les partenaires techniques sont prêts à nous aider dans tous les domaines. Voilà. Monsieur Bokoum, jusqu'où ces conflits intercommunautaires peuvent nous conduire? Moi, j'aimerais souvent qu'on évite même le terme conflit intercommunautaire, parce qu'en réalité, ce ne sont pas des conflits intercommunautaires. Mais par déformation, nous sommes en train de glisser sur ce terrain et nous allons tomber dans le piège. En réalité, ce sont les activités économiques des uns et des autres qui posent problème. La répartition de l'espace par rapport à une activité, soit ceux qui font l'agriculture ou qui font l'élevage. Donc il y a des conflits d'intérêts qui sont là. Qui se transforment en conflit entre communautés. Oui, justement, parce que le regroupement se fait autour de la communauté. Quand nous sommes tous des agriculteurs, on est tous des Diarra ou des Traoré, on est dans une zone bien définie, on fait l'agriculture. Donc le truc identitaire, il est... Le rapprochement est vite fait. Les peuls qui, de façon classique, font l'élevage, quand ils sont en conflit avec des dogons, bon, on dit c'est des peuls et des dogons. Non, c'est l'activité qui fait que le conflit est là. Donc il faut que maintenant, dans l'analyse, on intègre le cadre de l'activité. Aujourd'hui, pour les pâturages, d'avoir des canaux bien défini pour savoir quel est l'itinéraire que les animaux utilisent, quel est l'espace défini pour les éleveurs, quel est l'espace qui est défini, et qu'on mette en fait un système de gestion du foncier qui va vraiment dans une certaine forme de transparence. Mais en réalité, je pense qu'au Mali, ici, nous avons du mal à interroger réellement notre culture, parce que le problème, comme le colonel l'a dit, a des origines très lointaines. En temps normal, un conflit n'arrive pas à la justice. Pour que nous parlions de la mauvaise restitution de la justice, il faut d'abord qu'on arrive à la justice. Et on avait des mécanismes qui étaient là, qui géraient les conflits. Donc de façon sociale, on n'arrive pas à la justice. Une fois que vous arrivez devant la loi, elle fait son travail. Après, on dit non, le juge il est de tel côté, il a pris parti pour celui-là. Parce que quelle que soit la façon dont vous allez juger, quelqu'un se verra opprimé, offusqué, des interprétations, même si c'est juste. Parce que nous avons dans notre pays cette mauvaise habitude de refuser la sanction. Nous refusons d'être sanctionnés quand bien même nous savons que, en toute honnêteté, nous sommes en faute. Donc il y a une façon, aujourd'hui, je dis, il faut bien interroger tous nos mécanismes et qu'on apprenne à se dire la vérité et que nous acceptions que lorsque quelqu'un a tort, une fois qu'il a été sanctionné, qu'il accepte de valider cette sanction. Mais il y a également des juges qui sont corrompus. Est-ce que vous êtes d'accord par rapport à ça? Cela existe dans tous les pays du monde. Ce n'est pas une panacée pour le Mali. Je veux juste dire que ce n'est pas ça le vrai problème. C'est que nous avons un problème
sociétale très complexe aujourd'hui qui nous rattrape. Parce que quand vous regardez la crise aujourd'hui, c'est tous ces facteurs l'un sur l'autre. Parce que quand moi je dis je suis un Dogon, l'autre dit qu'il est un Peul. Nous avons des spécificités. Chacun, parce que nous avons commencé à un moment donné à être fusionnels, à devenir vraiment une nation avec un brassage extraordinaire. Mais depuis un certain temps, nous avons assisté à des proliférations d'associations qui vont dans le repli identitaire. Et je pense que l'État est responsable de cette situation. Au niveau de l'administration territoriale, il faut qu'on fasse énormément attention. Chaque groupe se lie. Moi, je suis un défenseur des droits des Peuls, je suis défenseur des droits des Dogons, des Tamachèques, de ceci, cela. Donc, je pense qu'il faut arrêter. Il faut qu'à un moment donné, que nous comprenions que nous sommes un peuple. Nous sommes une nation. Donc, de ce point de vue, il faut qu'on arrive à une fusion culturelle. Parce que les valeurs, quoi que l'on dise, quelle que soit la diversité à laquelle nous faisons face, elles sont universelles. Je ne pense pas que M. Day me dise que lui, dans sa localité, le vol est une valeur. Et que le peuple me dise que le vol est une valeur. Donc, on a de façon transversale des valeurs universelles. Donc, il faut qu'on se mette d'accord sur les principes. Qu'on aille à une refondation de notre communauté. Avant d'arriver au phénomène de justice et tout ça, nous devons recréer les mécanismes pour que le vivre ensemble soit une réalité. Monsieur, Madame Diarra Tatatouré, aujourd'hui, quelles sont vos attentes dans la région de Mopti en tant que société civile? Bon, nos attentes, c'est vraiment la mise en œuvre de ce programme que nous attendons avec joie, vraiment. Et nous pensons que quand ce programme sera mis en œuvre, vraiment, cela permettra vraiment de... En tout cas, de prendre en charge beaucoup de nos préoccupations. C'est une de nos attentes. Comme attente aussi, tu sais, mais s'il y a des groupuscules qui se forment pour faire des attaques et partir par là, la cause, c'est quoi? C'est la pauvreté. Vraiment. Et je pense que si le volet socio-économique est mis en place, en bonne et due forme, cela vraiment pourra amener la création de revenus, la création d'autres activités génératives de revenus pour ces populations. Qui vont voir, au lieu de prendre des armes, ils vont faire certaines activités rémunératives, ainsi de suite. Voilà. Nos attentes, quand même, sont grandes parce que nous avons. Et par rapport à la multiplication des groupes armés, par exemple, les Dogons ont un groupe armé et également les Peuls aussi. C'est les Dogons. Bon, moi, je ne connais pas les Etats-Unis, il y a des groupes armés quand même qui sont là. Monsieur Kassambra, est-ce que vous avez des informations par rapport à cette question? Dire que les Dogons ont des groupes armés, ça c'est un mirage, hein, mais quand même il y a eu un regroupement des donceaux de Dogons qui se sont regroupés, qui sont armés. Mais bon, c'est des gens qui veulent, comme M. Bokoum venait de dire tout de suite, c'est-à-dire qu'on est là en train de voir la naissance de beaucoup d'organisations de défense, de culture, autre chose. C'est ce que nous devons bannir, mettre la nationalité malienne, je suis malien et mettre cela au-dessus de tout pour qu'on puisse sortir de la crise. En réalité, les gens sont en train de s'attaquer aux symptômes du mal, hein, mais pas seulement aux racines. Il va falloir qu'on revoie. Et tout ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui a été prévu, a été mis sur papier, mais malheureusement, c'est l'utilisation de... Nous avons la charte pastorale, nous avons la loi d'orientation agricole, nous avons tous ces mécanismes qui sont déjà là, mais qui ne sont pas utilisés. C'est ça le problème. Les pâturages, les pistes de transit sont tous tracés, mais ils ne sont pas matérialisés. Donc l'utilisation de la gestion des ressources pastorales pose problème parce que les techniciens sont là. Nous avons mené une étude en janvier avec, financée par Merscop. Nous avons vu que tout le problème passe par la non-matérialisation de ces matériels-là. Et ces textes existent déjà. Je pense même que ces textes très bien ficelés, mais qui sont méconnus par la population et qui sont méconnus également par les acteurs même. Parce que nous avons passé dans les services techniques, nous avons vu que les textes sont là, mais réellement, on n'a pas pu jeter un coup d'œil, on n'a pas pu faire ça. Alors que c'est des outils qu'ils ont pour apaiser la population, pour prévenir et gérer les conflits qui vont être liés dans ces trucs-là. Et c'est pour ça que je dis que vraiment, moi, j'apprécie à sa juste valeur. Mais mes attentes, c'est quoi? Mes attentes, c'est qu'on inclue vraiment la population dans la mise en œuvre de ce programme qu'il vient de dire et qui va être fait dans le truc. Et qu'on regarde les vrais acteurs qui sont là-dedans,
qu'on les implique, qu'il y ait l'inclusion vraiment de la population, qu'il y ait l'adhésion de tout le monde. On va permettre à M. D de répondre. Est-ce que la société civile sera inclue dans la mise en œuvre de ce programme? Tout à fait. Et c'est d'ailleurs pour cela que nous n'avons pas mis un coordinateur national ou bien un programme à Bamako. On a confié la gestion au gouverneur. Donc, ils ont mis en place chacun une commission régionale. Et dans chaque composante, il y aura la société civile. Il y aura la société civile. Et le financement de ce programme sera assuré par qui et à hauteur de combien? Donc, je n'ai pas fini. Donc, pour renforcer l'idée locale, les entreprises seront choisies principalement au niveau local. Maintenant, financement. Le financement, on ne peut pas définir le coût exact parce que c'est multidimensionnel. Tous les ministères sont impliqués, les partenaires techniques sont impliqués. Maintenant, la partie qui nous concerne, ça c'est la sécurité, le personnel, le matériel et le véhicule. Donc, merci, voilà. Merci, M. D. Okay. Alors, c'est ce qui met fin à ce débat sur l'insécurité dans les régions du centre du pays. Nous avions comme invité le colonel Ismaël D, conseiller technique au ministère de la Sécurité, Boubacar Bokoum, analyste, Madame Diarra Tata Touré de la société civile de Mopti, Abba Kassambara, coordinateur de Think Peace à Mopti. Je suis Mohamedou Touré, débat réalisé par Moumine Sendebou. Mise en onde Salim Djouara, à la régie technique, régie vidéo plutôt, Mamadou Ouattara. Merci et à demain pour une nouvelle émission. Le grand dialogue. Sigi Kafoba. Edouani Ouamakaran. Le grand dialogue de l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio. Chenne Beri. Haloud Mouni. Chenne Beri. Sigi Kafoba.